Nous revoilà. Bonjour et bon live à vous YouTube. Pourquoi j'ai pas mon jeu dans la... Tu te fous de moi? Plus le jeu? Ah bon? Essayer de faire autre chose. Ça marche plus. Bon. On va faire autrement. Ah. On suicide là. Attends. Est-ce que si je fais ça, ça passe? Ça ne ressemble pas au château dont j'ai entendu parler. Non. Je n'arrive pas à le croire. J'ai rien compris. Tout, ça s'est fait tout seul. Tout détruit. Nous devons nous hâter. Patience n'est pas confort à toi. J'avais pas vu.
je sens que ça va se décaler, ça. Ok, on s'en kikine pour rien, je crois. Faut descendre. Attends, bouge pas, je te remonte. Saute. Chute. Ah, c'est long à remonter. J'arrête.
Regardez par ici. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un livre. Oui, je vais le regarder plus en détail. Avec un grand enthousiasme, le magicien lut le contenu du journal du roi. Les dernières pages étaient particulièrement intéressantes, car le roi expliquait comment il avait découvert les anciennes ruines abandonnées depuis longtemps. Les statues et l'architecture avaient impressionné le vieux roi. Le journal du roi contenait peu d'informations sur les artefacts, mais les descriptions correspondaient aux symboles trouvés sur la tombe du premier gardien. Dans la légende, il existait un endroit que les gardiens appelaient leur foyer. Si c'était vrai et que les artefacts provenaient des ruines, nos héros allaient peut-être finalement obtenir des réponses. Le journal indiquait précisément l'emplacement des ruines. Milieu de la forêt, à une longue distance. Nos héros se mirent à suivre les directions du journal du roi. À la lisière de la forêt, la voleuse ressentit une étrange sensation, un sentiment de chaleur dans son cœur. Il nous reste beaucoup de lieux à parcourir si nous voulons atteindre les ruines avant la tombée de la nuit. C'est si calme ici. J'ai l'impression d'avoir été libéré d'un grand poids. Tu veux que je revienne ? Ça aurait été mieux qu'il monte, par exemple. Oui, t'as changé un bouton pour tu vas devoir monter quand même.
Je vais voir ce qu'il y a en bas, mais bon. Pour une fois, c'est moi qui passe tout seul. Je vais jamais arriver à sauter jusque là-bas, moi. C'est foutu de ta tronche. Non, c'était pas ça. C'était pour qu'il descende moins vite, mais c'est tout. C'est moi ton dernier espoir. On est dans la merde.
j'ai pas fait exprès. Hein. Je crois que c'est pas gentil ça. Des forces du mal. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que l'inévitable ne se produise, mais pour le moment, la forêt résistait à l'envahisseur. Peut-être grâce aux artefacts qui avaient été créés à proximité, il y avait encore de l'espoir. Est-ce que cela nous mène quelque part? Cette obscurité est mauvaise. Attends. J'essaie de faire du poids de l'autre côté. Oui, un petit peu de l'action. Mais tu peux arrêter de t'exciter là, le machin. Je sais même pas comment te le mettre pour que ce soit bien. Oui, il faut un truc pour qu'on casse ça là. On va le fabriquer? Bah je veux bien mais je suis sûr que ça se casse. Y'a rien là. Bah ouais. Aussi ça va casser quelque chose mais bon.
J'arrive pas à le... Et faire quoi? J'essaie de le passer là-haut, voir ce que ça fait, mais ça passe pas. Pourquoi tu y as réussi, toi? Je suis pas d'accord. Je t'ai rendu ta... Tu fais quoi là? On y arrive là ou pas? Ok, il n'y a rien. Tu t'énerves pour rien, maman. Rien.
Aïe. Enfin, l'obscurité diminua et nos héros furent soulagés de retrouver la lumière. La voleuse examina calmement les alentours. Elle n'était jamais venue ici auparavant, mais pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, elle avait le sentiment d'appartenir à cet endroit. Les ruines du péril, comme le vieux roi les appelait, ressemblaient exactement à la description faite dans le journal. Belles et majestueuses malgré le passage des siècles. Le troisième artefact se trouvait peut-être au sommet des ruines. Ce sont d'anciennes ruines. Je ne pense pas que quiconque y soit venu depuis longtemps. Mis à part ces tadons ! Qui pourrait bien abandonner un tel endroit ? C'est si vieux. C'est par là. Je sais pas si c'est par là non plus, mais il y a un coffre au fond. Débloqué. Mais il y a des pics, faut faire gaffe quand même, hein. Gaffe tes araignées. Ah bah, on va tuer. Ah non. Je pense qu'il faut mettre la caisse au milieu là, mais je suis pas sûre. Non, ça sert à enlever les autres.
sirène. C'est con ça. Génial. Est-ce que tu peux revenir en arrière? Il n'y avait pas un téléporteur pour nous ramener? Pas ici? Non. Ça met plus tout en même temps. Non, parce qu'il faut que j'aille appuyer là. Appuyer là. Pour appuyer sur l'autre. Et sur la. Maintenant, on fait la. Et maintenant, normalement, je devrais pouvoir te les mettre, c'est ça? Tu pourras pas monter dessus. Vas-y, appuie sur celui-là. Il est toujours bloqué. J'ai remis les pots. Ah non, j'avais pas remis celle-là. Là on est dans la mouise en international, mais bon. Ça va tourner. Il n'y a pas le choix, il se voit rien. Dans quel sens tu veux? T'as voulu tuer, c'est ça? Attends, ça va. Bah pourquoi hein?
peut-être une caisse. Et où Baba? Elle a dit c'est bon. Non, c'est pas bon du coup. Encore raté. Tu peux te moquer, hein? Quoi? Toi aussi, t'as raté. Essayer de nous tourner un piège. Alors, c'est pas ça que je voulais. Je veux me prendre la tête là. Oh tiens. C'est une énigme. T'aimes bien ça. Oui, on va faire des... Non, appuie. Non. Du milieu, tu es à droite. Du milieu et à droite, t'as dit. Donc c'est de l'autre la droite. Celle-là et là c'était celui de du milieu je crois. Oh bah non ça fait plus rien. Droite alors. Donc c'est en bas. T'arrives si on arrive à faire. Je vais pas la couper.
d'ici et se dégager de là aussi. Essayer, hein, j'arrive pas à trouver ce que je dois faire. Ah, c'est un cube ici où tu peux monter. Tu dois pouvoir atteindre. C'est pas bon, mais tu peux atteindre là, là et là. Mais il faut que toi tu le refasses pour toi du coup. Tu avais fait quoi? Je peux dire quelques t'as bougé. Ben voilà, ça suffit. En plus tu les as toutes maintenant. Non mais vraiment hein. C'est pas détaché des cubes alors. On peut faire ça non? Ah comment ça? Bah en dehors de l'eau bien entendu. C'est ça que j'y arrivais plus. Je sais pas ce que j'ai. T'es parti où? Tu mourus je crois. Elle est là. Tu peux refaire le revivre le machin mais il va remuer, non? Non, tu es toi t'es là. Ok. Attends, il faut une planche à découper là parce que. Elle est peut-être, ouais. Peut-être pas le bise. Ça va tenir là. Oui, hein, qu'est-ce qu'on se fait à essayer d'avancer alors qu'il suffirait de les faire tomber, hein? Ouais, faut pas tomber dans l'eau. Ah, là-haut, tu peux t'accraper, toi. Non? Non. On n'a plus de magicien, alors...
déjà essayer de monter là, on verra bien. Pour toi, j'en sais rien du coup. Non, moi non plus. Si t'avances jusqu'au bout, ça marche pas. Non, faut que je récupère le truc ici. Et on peut plus changer les bonhommes. Ou alors je crève. Oula. Oula. Oulala. 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 Vite, sauve-toi, j'ai réussi. Je récupère mon magicien. Alors je te pousse. Non, mais sinon je fais ça, tu vois. Il se déchire. Il leur monte. Oh non, mais attends, on a tout fait du premier coup ensemble et tout. On est trop fort pour une fois. Vide! Il n'y a rien ici! Non, juste un autre grand magicien au repos. Attendez, vous entendez? Est-ce possible? Est-ce que le grand magicien, une lumière encore plus claire que le soleil, aveugla nos héros? Des images de ce qui s'était passé apparurent devant leurs yeux. Il n'y avait pas si longtemps, un tremblement de terre frappa le piédestal et détruisit le sanctuaire où se trouvait l'artefact du corps et de la matière. Le sort qui protégeait le troisième artefact fut rompu et ce dernier fut volé. Pis encore, il fut lié à l'artefact de l'esprit et de la puissance. Sans celui de l'âme et de la vertu, le pouvoir des artefacts fut faussé et donna vie à des créatures d'os et de poussière, capables de mouvement, mais sans âme ni dessein. Le Trine était la seule chose qui permettrait de ramener l'équilibre dans ce monde. Et voilà, c'est la fin. Plus de mon âge. J'aimerais bien me reposer. Ouais, tout ça, c'est plus de notre âge, du coup, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir regardé YouTube. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.